Micro. Donc là, je suis en train de vous faire voir que ça laisse des traces par rapport aux paramètres que vous avez apportés à Blashbit, et aussi bien quand vous l'ouvrez en super user. Donc personnellement, vaut mieux faire un nettoyage en super user que en classique, parce que vous avez vu que ça laisse des traces malgré les fonctions que j'ai activées et désactivées. Ça indique toujours dans le navigateur la recherche que j'ai effectuée, donc pas terrible niveau vie privée. Donc maintenant, et vous avez vu, je suis en train de vous faire voir que le navigateur ici, on a bien marqué Chromium, donc je passe bien par navigateur Chromium. Et vous avez vu, malgré que tout est coché ici dans Chromium, ici là, la case là, cache, tout est coché, je nettoie, je vais le refaire voir encore une fois. Donc là, je suis en super user, hein, donc je n'ai pas de restriction. J'ouvre le navigateur. Ça, ça commence à me faire chier, leur truc, là. Hop, j'ai toujours, ici, la vie privée qui est mouchardée par le navigateur Chromium. Donc, ce que j'ai effectué comme recherche, il peut moucharder, puisque, voilà, aussi bien Chromium que, éventuellement, la distribution Linux. Parce que si on me dit que Linux ne moucharde pas, c'est totalement faux. Ce n'est pas vrai. Tout le monde cherche à moucharder dans la vie. Donc on ne me raconte pas de conneries. Donc vous avez vu, hein. Donc je vais maintenant fermer ça. Je vais retourner, réouvrir Blashbit. Pardon, il faut que je l'ouvre en super user, on va dire ça comme ça. Donc Chromium, tout est coché. Ça ne fonctionne pas, même en tant que super utilisateur. Donc je vais aller maintenant, je vais me diriger vers Google Chrome. Préférence de site, session. On va déjà faire préférence de site. Et préférence de site, il y a marqué quoi? Ici, paramètres des différents sites web visités. Bon, ok, ça veut tout dire. Hein. Paramètres des différents sites web visités. Ouais, mais paramètres dans quel sens, hein? Bon, on peut mieux faire là-dessus. Donc je l'ai coché. Je nettoie en super utilisateur, pas de restriction. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Supprimer, machin, voilà, quelques chaos, on va dire ça comme ça. Je réouvre Chromium. Ça va encore me faire chier avec ça. Hop, toujours pareil, ça moucharde. Ok, donc ça ne fonctionne pas. Je vais réouvrir. Alors, puisque ça ne fonctionne pas, c'est sûrement de la merde, il y a quelque chose. Donc Google Chrome, ça ne marche pas. Session, bon, on va faire session, on verra bien. Session, supprime la session actuelle et les précédentes. Bon, on verra bien, hein, je m'en fous. Ok, nettoyer. Là, pareil, ça a supprimé quelques chaos. Je minimise. Je réouvre Chromium. Toi, dégage. Et là, pareil, hop, ça moucharde ce que vous avez cherché sur Internet. Donc ça, ça fait quoi? Bah, ça fait que si vous n'avez pas de bloqueur publicité, ça fait, bah, ça affiche de la publicité, par exemple, cherche chaussures. Là, j'ai tapé, par exemple, baisse de consommation. J'étais en train de faire un truc. Hein. Avis total direct énergie, des voleurs. Donc tout ça, en fin de compte, ça peut vous emmener des pages, des petites notifications publicitaires, si vous n'avez pas un bon bloqueur de publicité, hein, efficace. Mais vous avez vu, ça laisse quand même des traces. Donc là, bah, le navigateur, lui, Google Chrome, hein, bah, il moucharde. Et puis, éventuellement, la distribution Linux. Donc, est-ce que Blashbit, ce serait de la merde? Ben, je suis en train de me poser la question. Parce que j'ai tout coché au niveau des navigateurs. Alors, sauf que je n'ai pas coché session dans... Alors, j'avais dit donc... Google Chrome, ici, tout est coché. C'est où j'avais été? Je suis allé trop bas, je crois. Voilà, Chromium, tout est coché, ok. Je ne sais pas ce qu'il veut de plus, hein. Ça n'efface pas mon historique de recherche. Firefox, on s'en fout.
Google Chrome, c'est coché, tout est coché. Alors, je sais pas ce qu'il veut de plus. Est-ce que j'ai loupé une étape? Ça, c'est coché. Qu'est-ce que j'ai pas coché? Opéra, bon, ça, on s'en fout, c'est pas le navigateur. Système, bah, je ne pense pas que ça fasse partie du système. Normalement, c'est le navigateur, ce sont les onglets navigateurs. Donc là, j'en ai plus en bas. Donc je reprends à partir du haut. Alors, Adobe, machin, émule, analyse, c'est pas ça, APT, Audacious, Bash, Beagle, je sais pas quoi. Donc je me suis arrêté là. Bref, c'est pas ça, Chromium. Donc, Chromium, tout est coché. Ok, ça n'efface pas l'historique des recherches. Ensuite, Discord, on s'en fout. DNF, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Évolution, on s'en fout. Je vais monter. Voilà, évolution est là. Là, on s'en fout. Faizila, Firefox. Bah, normalement, ça ne fait pas partie de Firefox puisque c'est Chromium. Donc, rien à voir. Donc, ça, à la rigueur, je peux le laisser puisque Firefox est navigateur Firefox. Celui que j'ai là. Et Chromium, c'est Chromium. Alors, maintenant, Google Chrome, tout est coché. Opéra, on s'en fout. Même si ça, c'est pas coché, c'est navigateur Opéra. Système, on s'en fout. Et c'était Chromium que je voulais. Alors, Opéra, il est là. Où c'est que j'avais vu Chromium, quelque part. Alors, on a Google Chrome ici. Ah. Bah, c'est où que j'ai vu Chromium? Ah, je suis bête ou quoi? J'ai vu Chromium quelque part. C'était où? Non, c'est pas là. Je suis en train de regarder là où il y a les petites flèches, hein, ici. Donc, il y avait Chromium. Il y avait Google Chrome et Chromium. Alors, c'était où j'ai vu ça? Google Chrome, il est là. Bon, bah alors, Chromium, il est avant. Normalement, c'est classé par ordre alphabétique. Ah, voilà, il est là. Il était beaucoup plus haut, ok. Donc, Chromium, tout est coché. Bon, je sais pas ce qu'il veut de plus. Tout est coché. Nettoyer. Oui. Google Chrome ne peut pas être nettoyé car celui-ci est en cours d'exécution. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ah, je ne l'ai pas. Bon, de toute façon, ça ne marchera pas non plus. Puisque je viens de le faire. Voilà, hop, je recommence. Supprimer. Voilà, je ne sais pas ce qu'il veut de plus. Hein. J'ai fermé comme il m'a dit. Alors, je vais poser le micro, ça va faire un peu de bruit, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai tout nettoyé, tout est fermé. Je réouvre Chromium. Ça, je m'en fous de ton trousseau machin, là, je sais pas quoi, là. Et hop, voilà. Donc, soit BlashBit, c'est de la merde, tout au moins, on va dire, sur Linux MX, ou soit, ben, c'est de l'enfumage. Alors, j'ai essayé là avec le navigateur Chromium. Est-ce que ça fait la même chose avec Firefox? Je vais voir ça dans une autre vidéo. Je vais faire déjà regardez-moi en solo. Et après, je referai éventuellement une vidéo. Alors, je ne sais pas si je m'y prends mal, mais je ne vois pas comment faire de plus. Puisque j'utilise un logiciel hein, qui est connu sur... voilà, qui est le concurrent de CCleaner, on va dire ça comme ça, sur Windows. Là, c'est BlashBit, voilà. Et en plus, vous pouvez mettre BlashBit sur Linux. Sur Windows, pardon. Ça va aussi bien sur Linux que sur Windows. Donc là, j'ai tout nettoyé, et malgré ça, ça me laisse encore des traces. Après, peut-être qu'en redémarrant, ça va revenir à zéro, à reset. Mais c'est pas normal. C'est pas normal, puisque normalement, c'est censé nettoyer en temps réel dès que je le fais. Vous avez vu, je l'ai fait en super utilisateur, ça ne les éteint. Donc là, en fin de compte, pour moi, ça peut moucharder, en fait. Bon, je vais dire ça comme ça peut moucharder ce que vous avez recherché.